Dormir dans un château sur une île, ça nous faisait rêver. Et puis un jour, le rêve est devenu un projet. J'imaginais déjà les photos de nuit qu'on pourrait prendre. Mais vous allez voir que l'exploration n'a pas été aussi simple. Quelques surprises nous attendent. Suivez-nous dans cette aventure au cœur de l'été, qui démarre avec un aller simple en bateau et des sacs bien lourds. Une fois là-bas, on sera livré à nous-mêmes jusqu'au lendemain. Il faut anticiper nos besoins. Mais on a l'habitude de ce genre d'histoire maintenant. Pour cette aventure, encore une fois, Robin est de la partie. On sait ce qu'on est venu chercher, mais comme toujours, impossible de tout prévoir. Si un cinquième de l'île est occupé par le château et son parc, le reste est ouvert aux touristes. Alors il y a sûrement un hôtel, mais pour nous ce sera tente et hamac. Hamac que j'ai pas encore testé. C'est joueur de ma part, mais ça devrait bien se passer. J'espère. On débarque dans un petit village où à peine 10 personnes vivent à l'année. Un serpent se sauve sur notre passage et pendant quelques minutes on se demande s'il était venimeux. A priori non, et s'ils sont tous peureux comme celui-ci, on ne doit pas risquer grand chose. Comme qui dirait, ça monte. On est en route vers une villa. En théorie, on est là pour faire de la photo ce soir. On ne sait pas encore si ça va être possible. Mais comme on le voit sur le dos de Robin et sur le mien, on a tout ce qu'il faut pour passer la nuit. Je suis déguisé en touriste pour passer inaperçu. Petite cassette, petite marinière. Avec ça, on est tout à fait à notre place. Il fait comme qui dirait chaud. Non, il fait plutôt bon. Et puis cette petite montée bien plate, c'était parfait. Il ne nous reste plus qu'à trouver comment entrer dans le parc. Ce serait bête d'avoir fait tout ce chemin pour se retrouver bloqué si près du but. Bon, bah y a pas d'entrée, hein. Y a pas d'entrée, clairement. C'est dommage. Allez. Du coup, on a posé les sacs pour voir si... on peut progresser un peu plus loin. On a trouvé la porte d'entrée était grande ouverte et c'est plutôt pratique. Donc on est vraiment comme des touristes au final. L'heure tourne et on a du pain sur la planche. Il faut inspecter les environs pour déterminer ce qui est dangereux ou pas. Si possible, réfléchir à des compositions pour des photos de nuit et accessoirement décider de l'endroit où dormir. Une porte enfoncée nous permet d'entrer dans le château, et on va découvrir les règles du terrain avec lesquelles il faudra composer. Tout d'abord, le bâtiment n'est pas en bon état. Il va falloir se méfier en l'explorant. Second facteur, les pigeons imprévisibles. On est chez eux, ça leur plaît pas, et c'est loin d'être un détail. On reviendra plus tard sur le côté labyrinthique. Avant ça, prenons un peu de hauteur. Jacadi marche sur les planches. Jacadi marche sur les planches, notamment. Des rénovations ont été entamées, et il est assez évident que plus rien n'a bougé depuis un moment. Les images d'archives permettent de se rendre compte de l'évolution de l'endroit. Celle en couleur daterait du début des années 2000, plus de 20 ans avant notre visite. J'en ai inséré tout au long de la vidéo. En réalité, on a renoncé à s'aventurer sur le toit. Ça semble trop dangereux. Vu du ciel, on constate encore plus son état douteux. À l'origine, ce château était un couvent, construit au XIVe siècle et agrandi au XVe. À la fin du XIXe, une transformation massive se produit. Et à partir de là, de nombreuses personnes de la région y travaillent. C'est un lieu de vie prisé. Mais depuis les années 70, il est vide, pour le plus grand bonheur des pigeons qui vont nous faire quelques frayeurs. On découvre ce qui sera notre camp de base pour la nuit. C'est pratique, on aura de quoi s'asseoir pour manger. Et je ferai bien une photo de cet endroit. Regarde Barto, on a trouvé du béton solidifié. Pardon, du béton fossilisé. C'est incroyable. C'est vrai que là, effectivement, c'est plutôt solide quand même. Il y a des rénovations qui ont été tentées à une époque. Là, c'est des restes, des tentatives de rénovation. Pour l'instant, ça bouge pas plus que ça. À
Avant d'installer nos couchages, on décide d'explorer un peu plus les alentours. On ne trouvera pas d'autre entrée vers les bâtiments, mais il y a un chemin qui descend, vraisemblablement en direction de la plage où une mystérieuse tour nous attend. Je pense d'abord à une sorte de phare, ou peut-être une fortification pour défendre la propriété. Je ne vois pas où on mettrait un canon là-dedans, alors je penche plus pour le phare. C'est une jolie vue. Non, franchement, c'est si. Regardez-moi. Ce beau paysage. Ouais, il y a un bout de ferraille qui est tombé, je pense. Il y avait une espèce de tour en haut de la... En fait, en bas, il y a un... Quand on sait pas, on vérifie. Et la tour était en réalité un moulin. Comme ça, c'est un peu surprenant, mais ça a du sens. Sur cette photo d'archive, on voit clairement que le mât supportait une sorte d'éolienne. À l'intérieur, on trouve les restes d'un système de pompe. Les jours de grand vent, l'eau était pompée dans le lac et envoyée jusqu'à la villa. C'était très utile pour arroser les plantes notamment. Je me demande si le système pourrait fonctionner à nouveau. Le tuyau est encore en place, alors avec une pompe neuve, en installant un nouveau mât, pourquoi pas franchement? C'est confortable de donner des conseils depuis mon studio. Si j'avais apporté ma serviette, je me serais précipité dans l'eau. Mais comme je le disais, l'heure tourne et on va remonter vers notre propriété d'une nuit. Mis à part les pigeons avec qui on n'accroche pas trop parce qu'ils font quand même un peu n'importe quoi, la zone fourmille de vie et abrite entre autres des faisans. Plus précisément des faisans de colchide, tant qu'à être précis. Ouais, t'es clairement blessé, quoi. On va pas l'approcher. Celui-ci n'est pas en forme, mais ses potes font leur truc d'oiseau sympa. Eux, ça va, ils essaient pas de nous lancer des briques sur la tête, donc on les aime bien, contrairement aux pigeons. De retour au camp, on installe nos couchages pendant que le soleil disparaît tranquillement. Pour moi, c'est toujours magique d'être au crépuscule dans un endroit déserté. Malheureusement, une ombre plane sur mes perspectives de photo. L'exploration nocturne est bien plus risquée que prévu. La combinaison des briques instables et des pigeons imprévisibles nous fait hésiter. À la nuit tombée, alors que j'entre dans le couloir, un oiseau stressé m'a foncé dessus pour protéger son fief. Je l'ai repoussé avec ma caméra, qui filmait pas. Je pense que ma lampe torche l'a effrayé alors qu'il dormait paisiblement. Il va falloir trouver un plan B. Et le temps du saucisson venu. Fait du bien. J'ai jamais rien à dire dans ta caméra, je suis désolé. Mais... On est désormais la nuit, il fait nuit noire, la lune est en train de partir. Et c'est le moment de faire des photos. On avait un petit problème, c'est-à-dire que on voulait s'engager un peu plus profondément à l'intérieur de ce château pour essayer de trouver des cadrages plutôt sympas, sauf que c'est vraiment clairement le lieu d'habitation de pigeons qui n'ont pas du tout envie de nous voir à l'intérieur. Ils nous ont exprimé leur mécontentement, qu'on a pris en compte, parce qu'on est des gens sympas. Et nous voici donc, le ventre plein, ça c'est toujours bien, devant l'appareil photo qui m'a déjà permis de faire une photo qui est plutôt sympa avec de la technique de line painting. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Le light painting, c'est génial parce que ça permet d'avoir un rendu qui est très organique au niveau de la lumière. Ce que le flash ne permet pas de faire. Le flash, il est là, il envoie toute sa puissance d'un coup. Ça fonctionne très bien dans certains cas, mais dans cette situation-là, j'aime bien avoir un truc un petit peu organique, un peu plus mystérieux. Après, la contrepartie, c'est qu'à chaque fois, il faut attendre 30 secondes pour voir ce qu'on est en train de faire, clairement. C'est un peu comme si vous faisiez un gâteau les yeux bandés, c'est-à-dire que vous savez à peu près où sont les ingrédients, mais pour mesurer, c'est pas forcément très pratique, et il faut réessayer plusieurs fois avant d'avoir le bon résultat. Là, c'est tout à fait ça. Et on a une photo dont je suis plutôt satisfait, et je pense que Robin est aussi enthousiaste au vu de cette photo, peut-être. Voilà. Merci. Maintenant, on va aller faire d'autres images et on va essayer de vous montrer ça. La lune brille timidement, mais ça suffit pour qu'elle ait une influence énorme sur le rendu des photos. Il y a aussi un peu de pollution lumineuse des villes voisines. Ça me pousse à faire un choix. Soit je peux modeler la lumière, mais j'aurai pas d'étoiles dans le ciel, soit je décide d'avoir des étoiles sur la photo, mais je perds le contrôle sur l'éclairage de la scène.
Il n'y a pas trop d'entre-deux satisfaisants. Déjà 1h du matin, on n'aura pas de chef-d'œuvre pour cette fois. On part se reposer, une exploration nous attend au réveil. C'est vraiment top de se réveiller au milieu des arbres comme ça. C'est la première fois que je dors dans un hamac. Au début, j'avais vraiment peur que ça se mette à tanguer comme ça toute la nuit parce que j'arrivais pas à ce que ça s'arrête de balancer de droite à gauche, de droite à gauche. Et je me suis dit à tout moment, faut que j'aille dormir par terre parce que je vais avoir le mal de mer. Mais en fait, ça va. Et normalement, il faut mettre un tarp au-dessus. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'humidité, je me suis dit qu'il n'y en avait pas besoin. Et en fait, il n'y en avait pas besoin. Et comme ça, je me réveille et j'ai tout le décor au-dessus et autour de moi. Et c'est vraiment magnifique. Maintenant le programme c'est petit déj. Je sais pas si on va faire du café parce que au niveau de l'eau ça diminue beaucoup depuis qu'on a cuisiné hier soir. Enfin, cuisiné, réhydraté de la nourriture. Donc je sais pas trop si c'est une bonne idée de se lancer à faire du café. Il va falloir débattre, approuver, passer par le N+1 qui va devoir passer par son N+1. Qu'est-ce que je raconte ? Ensuite, si on peut explorer un peu plus les bâtiments qui sont juste par là-bas. Bah on va le faire, et puis on va vous montrer tout ça. En espérant que les pigeons soient moins stressés ce matin. Dans les objectifs du jour, on veut trouver l'accès à la chapelle. En fait, une des portes du porche y mène directement, mais elle est solidement bouclée. Il va falloir nous frayer un chemin dans le labyrinthe de couloirs en plus ou moins bon état. Ça fait plus de 10 ans que les rénovations ont stoppé. Au début des années 2000, un plan de sauvetage devait rendre sa gloire au château. Alors déjà abandonné depuis les années 70. Malheureusement, la crise financière est passée par là et plus rien n'a bougé. Sans les travaux de consolidation qu'on peut constater, ça serait sûrement bien pire. Mais honnêtement, s'aventurer là-dedans, c'est quand même hasardeux et je vous déconseille de le faire. Par endroits, l'épaisseur du sol est douteuse et certains morceaux de mur tiennent de manière anecdotique. À l'image, on s'en rend pas trop compte, mais c'est sérieux. Dans ce couloir, on trouvait jadis une collection d'œuvres d'art, difficile à imaginer. Elles ont toutes été transférées dans d'autres propriétés de la famille pendant l'abandon progressif. Et pour la rénovation, les murs et le sol ont été mis à nu, ce qui accentue l'aspect de coquille vide. Mais on verra que certaines zones ont encore un charme certain, même en étant dépourvues de mobilier. Ça va pas du tout vers le... Putain de pigeon. Le moindre bruissement d'ailes nous fait appréhender. La tentative d'attaque d'hier m'a surpris, certes. D'ailleurs, j'ai aucune preuve, donc ne me croyez pas. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'à tout moment, dans la panique, un de ces oiseaux pourrait percuter un truc instable et ça pourrait mal tourner. On évolue donc prudemment dans le dédale de couloir. Si on me demande, j'ai tendance à dire qu'un pigeon, c'est con. Alors, pour affirmer ma supériorité, j'ai cherché pigeons stupides sur internet. Déjà, j'ai internet et pas eux. Et il se trouve qu'en réalité, ils seraient aussi intelligents qu'un enfant de 3 ans. Je vais pas non plus m'extasier, mais bon, c'est pas si mal pour un cerveau de 2,5 grammes. On trouve un passage jusqu'à un cloître. Avec les vues aériennes, ça paraît facile, mais on a du mal à se situer. Dans ce genre de décor, j'ai des étoiles dans les yeux. C'est paisible. Mais fragile. Mais paisible. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est juste beau. À l'heure actuelle, les rénovations ont dû reprendre. En effet, la propriété a été vendue à un investisseur qui semble avoir un vrai projet, et il aurait déjà fermé l'accès aux curieux. Parfois, quand un lieu à l'abandon est racheté, rien ne se passe pendant des années. Ou ça s'arrête en cours de route, comme ça a été le cas ici même. L'ancien projet était d'installer un hôtel de luxe. Pour ce qui est des plans à venir, je saurais pas vous dire. Mais ça va être un travail monstrueux de remettre tout ça en état. Toujours est-il que désormais, on ne peut plus l'admirer que de loin. En ce qui nous concerne, on n'a même pas tout exploré parce que certaines zones sont barricadées et l'ensemble est immense. Allez, j'ai un petit jeu pour vous.
Depuis tout à l'heure, j'insère des photos d'archives, et dans le second cloître que je m'apprête à explorer, vous allez voir un puits. Sur la photo ancienne, il est surmonté d'une ferronnerie qui a disparu de nos jours. Enfin, elle a pas tout à fait disparu. Êtes-vous assez observateur pour la retrouver ? Personnellement, je l'ai remarqué pendant le dernier jour de montage de cette vidéo, et je me suis amusé à déduire la logique derrière tout ça. Si je vous le donne tout cuit, c'est pas drôle, alors revenez et menez l'enquête une fois la vidéo terminée. Là, on est clairement à l'intérieur des bâtiments maintenant, mais c'est vraiment labyrinthique. Ce qui nous intéresserait de trouver, ce serait un accès vers l'église. Pour l'instant, on situe à peu près où elle est, mais c'est un tel labyrinthe que c'est vraiment compliqué pour trouver par où entrer. Parce qu'il y a des portes qui sont condamnées, il y a des endroits où il faut éviter de marcher, du coup, c'est un peu compliqué. Mais on va y arriver. Là, le toit a pas l'air de pousser sur les planches. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a l'air un peu solide au-dessus et je vois pas vraiment de jour à travers. Je pense que c'est les planches qui sont en train de mourir. Ouais. Sauf peut-être là, il y a un petit peu de trucs, mais c'est juste le revêtement qui va sur les briques. Du coup là, t'es dedans la tour ? Ouais. Il n'y a pas d'escalier ? Il y a un escalier, il a même l'air praticable. Et là, tu marches sur la future terre. Un peu plaisir. Ouais, ça a l'air assez safe. Là, c'est des mêmes en métal avec des briques qui n'ont pas l'air d'avoir pété, pas l'air d'avoir vieilli. Bon, les escaliers sont rouillés, mais en vrai, ça passe. Ici, c'est important de ne pas être en dessous de celui qui passe devant, au cas où quelque chose ne tombe. Là, clairement, on va pas jusqu'en haut, parce qu'il y a une des échelles qui est un peu trop... beaucoup trop abîmée, en fait. Donc ça va pas le faire. Des fois, il faut savoir s'abstenir de faire certains trucs. Dans ces zones peu ventilées et remplies de fientes de pigeons, on a préféré mettre nos masques. Du FFP3 aurait été bien, mais on n'attendait pas un tel accueil, à vrai dire. Le guano de pigeon, du 16e au 18e siècle en Europe, c'était très prisé comme engrais. Vu qu'à l'époque on communiquait par pigeon voyageur, il suffisait de se servir dans les pigeonniers. Mais on n'est pas venu ici pour en récolter. Ce qui nous intéresse, c'est d'explorer la chapelle, dont on a enfin trouvé l'accès. Dans un concert de roucoulements, nous voilà au pied d'un immense échafaudage. Instinctivement, je me dis qu'il maintient l'édifice en place, mais ça n'a pas l'air de toucher le plafond. Bonjour, pigeon. Urdex, ça tourne mal. On se fait attaquer par une armée de pigeons. Le plus beau point de vue nous attend encore dans le cœur de la chapelle, vers lequel nous nous dirigeons. C'est une quête qui touche à son but. On jette quand même un œil à l'autel et à ses petites pattes originales. Pendant mes recherches, j'ai vu passer une photo avec des ossements. Cet endroit aurait accueilli une sépulture. En tout cas, on les a pas vus. La lumière a quelque chose de magique, qui se révèle encore plus en photo. Sur le plafond, Dieu nous observe, prêt à nous juger avec sa balance. Comme on a respecté l'endroit, je pense qu'on risque pas grand-chose. L'odeur des fientes est un peu atténuée par nos masques, et une certaine fraîcheur règne dans la pénombre. Il est midi passé, et dehors la chaleur de l'été nous attend. Nos réserves d'eau sont au plus bas. D'autres aventures nous attendent, et d'ici là, vous pouvez déjà revoir une de mes vidéos déjà sorties. Et mettez un commentaire si vous avez apprécié nous suivre dans ce château. C'est le départ. Parce qu'un jour, il faut s'en aller. Pas rester ici toute la vie. Mais c'était cool, l'église était stylée. Et nous ne sommes pas passés à travers le plafond, et ça c'est bien.